Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP avec le Vegito SCJ LF de type violet qu'on a Zenkai 7 hier soir ensemble en live. On a également monté son arbre de compétences à 1400%, comme vous pouvez le voir, toutes les branches sont à 200%. Bien évidemment, pour aller le tester, je l'ai mis dans une team purple, voilà, clairement, à l'exception d'une chose. Le Gohan SCJ2 LF Zenkai rouge que j'ai mis en leader. Pourquoi je l'ai mis en leader? Parce que comme ça, quand vous partez au combat avec le Gohan, plus également deux autres personnages, eh bien la cape Z du Gohan sera active pour les autres personnages et lui pourra bénéficier également des autres cap Z. Ça, c'est pour les nouveaux joueurs, donc, pour ceux et celles qui n'ont toujours pas compris à quoi ça servait le leader. Voilà. Et pour moi, eh bien, je trouve que le Gohan SCJ de LF Zenkai reste incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Quand tu restes tout seul sur le terrain, une fois que tes deux alliés sont morts, Gohan, c'est un truc de fou. Il peut te one-shot les trois adversaires à lui tout seul. C'est pour ça, voilà. Alors, le Vegito LF SCJ, attention. Zenkai, c'est un monstre. Clairement, il casse de la bouche. Après, voilà, j'ai envie de voir un petit peu ce qui est le plus extraordinaire dans cette vidéo entre le Gohan et le Vegito. Eh bien, je sais pas, on verra bien ce que donneront les combats dans cette vidéo. On va partir direct se taper, puis bah également le Goku Blue Tag Vegeta Blue LF. On ne le présente plus, hein. Je pense qu'on a déjà fait assez de salles en vidéo et en live quand on les joue. Ça fait très mal. Let's go les amis, on est parti en PVP. Yeah! Ok, première game, c'est une team ligne royale de Vegeta. Ok. Hop, on va prendre les trois duos. Je prends également le Goku Blue Tag Vegeta Blue parce que voilà, c'est clairement c'est une carte absolument somptueuse. On va voir ce que ça a donné. Bon, il a quand même également le Trunks, cette étoile là. Cette étoile, faut faire attention parce que le petit Trunks lui aussi, il est pas là pour enfiler des perles, il est pas là pour rigoler. Hein, tu vois, quand il peut te casser la bouche, il y va. Allez, let's go. Ok. Ok. Ah, mauvaise tempo de ma part. La cover blast, hein, on connaît. Qu'est-ce qu'elle est stylée cette cover blast. Petit strike cancel qui est passé. Oh, par contre là on peut faire mal. Je vais pas mettre la blast, je vais mettre direct l'aspect. Et j'ai bien fait. Oh. Oh, oh les dégâts. Oh les dégâts. Cuisine, cuisine. Oh les dégâts. Bon bah voilà, hein. Ouf. Ouf. Non, 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 stop, stop, stop. C'est trop violent, c'est trop violent. Hop, cuisine, allez. Non, mais là, c'est trop violent. Mais là, c'est... Bon, là, je vais me la prendre. Non, mais là, c'est trop violent, ce qu'on vient de voir. Ah, bah, bah c'est fini, hein. Ah, bah, c'est fini, hein. Oh, là, là. Ah, ça lag. Ah, bien évidemment. Hein, c'est... Voilà. Voilà. Voilà, voilà, ça lag. Ça lag. Bon, il arrivera à me toucher parce que ça a lagué. Hop, bim. Voilà, l'aspect. Vegito. Ça tue pas. Il se régène. Bim. Et bim. Voilà, on a fini ça avec Vegito. C'est... Est-ce que vous avez vu tout de même, alors je suis désolé parce qu'à la base c'est pour voir Vegito, mais on en parle du Goku Blue Vegeta Blue là, ce qu'on vient de voir là, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'était la cuisine directe, et hop on a pris 100 points, alors regardez bien mes points les amis parce que j'enchaîne les combats, hein. Il n'y aura pas de cut si on gagne, si on perd, voilà j'enchaîne, game suivant, Vegeta number one en face, bon je vais reprendre les trois mêmes, voilà, on va reprendre les trois mêmes, on va faire quand même attention parce que bah, ça peut poser problème, voilà. Ça peut poser problème, ok, Vegeta va dire, voilà, bon. On s'y attendait, les amis. Et bah, let's go, on est parti. Si on fait une game comme on a fait juste avant, ça serait vraiment incroyable. Allez, let's go. Ok. Voilà. Ish. Voilà. Forcément, donc là, je retombe à 0 de ki. Ish. Pas mal ça. Pas mal du tout même. Ok. Voilà. La petite cover de Vegito. Et l'aspect.
Elle a fait mal l'aspect de végétaux là. Pa. Elle a fait mal. Pas mal la petite tempo. Oh les dégâts de végétaux là. Bouh. Oh lolo. Bah c'est pas mal du tout ça ce qu'on est en train de voir avec végétaux là. Ok très bien. Oh bah là c'est. Oh bah là il va morfler là. Oh bah là il va morfler. Ah bah voilà, il a pas. Non, non, c'est trop là. Eh, entre le Goku Blue, Vegeta Blue en tag et là le Vegeto, c'est beaucoup trop. Hein, je pense que là. Je pense que là, tu t'es fait. Voilà quoi. Game suivante. Oh, là il y a des étoiles. Ah là, on est en LBR. Là, il y a du 14 étoiles partout. Bon, alors. Je vais pas prendre le Gohan SSJ2. Je pense que je vais prendre le Gohan LF Revive. Vu qu'il n'y a pas de jaune dans la team là, on va voir. Une petite survie au chaos là-dessus serait pas mal. Parce que. Voilà. Ouais, ok, il y a le Badak et tout. C'est du 14 étoiles en face. Hein. Donc là, ça va pas rigoler chez maman. Hein. On n'est pas là pour prendre le thé chez mamie. Là, ça va cogner dur, je pense. Bon. On va se concentrer. Let's go. Parfait ça. Ish. Je pensais d'aller mettre le Goku. C'est pour ça que j'ai mis la Strike. Je voulais pas mettre la Blast. Ok. Parce que je rappelle que le Goku, il a une Cover Blast et le Vegeta Cover Strike. Et là, du coup, en parlant de Cover Strike, elle est passée celle-là. Voilà. Parfait. Ça fait pas trop de dégâts. Hein. Bah, forcément, à 14 étoiles, là, ça tank. Et il tank bien, hein, franchement. Le Goku Ultra, ça tank vraiment bien. Ça tank vraiment bien en face. Parfait ça, petit perfect dodge. Voilà, hop, j'enchaîne direct. Yes! Arrache-le. Voilà. C'est pas passé ça. C'est pas passé. Petite cover, c'est fort avec végétaux. Franchement, les covers avec végétaux, tout ça, c'est stylé de ouf. Ich. Là, je vais pas me poser de questions, on va Rising Rush là-dessus. Tant mieux, il a mis le Vegeta. Alors, j'aimerais bien qu'il me contre pas. D'ailleurs, on n'a pas fait de Rising Rush encore depuis le début de cette vidéo, je crois. Vu que... Et bah, de toute façon, bah voilà, moi, on me contre. Donc, pourquoi je fais un Rising Rush, de toute façon? Vu qu'on me contre, ça sert à rien. Hein, voilà. Allez, cousine, va contrer ailleurs. Oh, pff, oh là 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 là, le Vegeto ce qu'il vient de mettre. Allez, cousine aussi. Bon, mais là, c'est... Ah bah là, voilà, je crois qu'il s'avoue vaincu, là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, c'est... Non. Non. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop ce qu'on est en train de voir avec cette team, là. C'est extraordinaire, là. Oh! Non, mais la vache. Franchement, je suis choqué. Végéto avec Goku Blue, Vegeta Tag et également le Gohan LF Revive. Mais ça roule comme papa dans maman. Hein. Game suivant, team. Saga des films en face. Ok. Je vais prendre les trois comme ça. Donc là, pareil, là, faut faire attention parce que Saga des films, c'est vraiment très très fort. Également le nouveau Broly en face hein, qui est vraiment bon. Et d'ailleurs, bah, il l'a pris. Voilà, avec le Gogeta Blue LF, le Bojack Transfo. Ok, on va voir ce que ça va donner les amis. En tout cas franchement c'est hallucinant. Les games qu'on a vus là juste avant, c'est vraiment hallucinant. C'est un massacre hein. Ok. Très bien. Ok, ça passe. Voilà. On arrache bien. Et franchement cette carte, le duo de Goku Vegeta, ça arrache hein. Parfait ça. Oh là là, la strike de fou. Ok. Petite tap attaque. Dommage, c'est pas passé. Donc là, il va se transfo. Le Vegeto, il va prendre cher, je pense. On va voir, on va voir. Oh ah non, mais il prend cher quand même. Ah là, je pensais qu'il allait prendre cher, mais pas à ce point-là quand même. Perfect dodge là-dessus. Tu vois, contrairement à Gohan, là, bam,
Donc forcément, c'est contre-type en face, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Gohan, il est toujours opérationnel, tu vois. Tu vois, Gohan, c'est... Alors, il est bon le... Oh là, j'ai fait un faux move. Je suis en train de parler en même temps, je fais n'importe quoi. Vegeto est bon, mais Gohan, quand même... Bon, là, il part à la cuisine, voilà. Gohan, pour moi, ça reste quand même un poil au-dessus. Enfin, en tout cas, au niveau de mon style de gameplay, tout ça, j'ai quand même une préférence pour Gohan. Regarde le Gohan, non, mais c'est... Tu vois, voilà, boum, c'est cuisine avec Gohan, c'est cuisine. Tu vois, bon, là... Ouais, forcément, il va Rising Rush, je m'y attendais. Je m'y attendais. Allez, on peut contrer, nous, ou pas? Est-ce qu'on peut contrer? Voilà, moi, c'est ce que je disais, au final. Le Gohan reste... Non, on contre pas. Ça reste impressionnant. Clairement, le Gohan, c'est... C'est ouf. Le Végéto est bon, hein. Attention, le Végéto est bon. Mais Gohan, pour moi, ça reste impressionnant. Donc là, je vais mettre la verte. Ah, pas mal, il a contré. Il fait des dégâts, hein. Mais regarde, tu vois, Gohan va résister au combo. Tu vois ce que je veux dire? Gohan, là, il va être bien, là. Midlife. Et là, ça y est, c'est bon. Il a plus rien. Ok, là, regardez bien les dégâts. Voilà. 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 Gohan, quand il est tout seul sur le terrain, c'est ça. Voilà. Donc là, en plus, je me soigne. Voilà. J'ai pas pu esquiver, par contre. Mais il va pas mourir. Il va résister. Il va résister. Il résiste, il est fini. Voilà, c'est fini pour lui. Voilà, c'est fini pour lui. Et là, on a le LF. Voilà, c'est... Ah, c'est Gohan. C'est Gohan. C'est clairement... C'est Gohan. Voilà. Quand je vous dis que pour moi, Gohan, je le trouve extraordinairement incroyable... Bah voilà, vous avez la preuve. Hein. Alors, Végéto, SSJ, LF, ZenKai7, c'est incroyable aussi. Ça fait vraiment très mal. Mais ce qui est encore plus incroyable, bah c'est le Végéto, c'est le Gohan. Pour moi, je trouve que là, le Gohan, c'est vraiment un truc de fou furieux. Vous le voyez encore dans cette game. C'est lui qui m'a sauvé parce que du coup, je me suis fait Rising Rush sur le Végéto. On n'oublie pas que j'ai pris vraiment très très cher avec le Végéto où il a perdu les 3/4 de la vie direct. Bon bah voilà, après Gohan il était là, il a emmené le reste de la team d'en face, hop, à la cousine, tu vois ce que je veux dire. En tout cas voilà les amis, pour cette vidéo de fou, max de pouces bleus, demain il y aura une vidéo invocation pour espérer obtenir le Trunks LF à cette étoile. Je compte sur vous les amis pour partager, pour vous abonner, mais également activer la cloche et réagissez dans l'espace commentaire. J'aimerais avoir votre avis également sur le Gohan LF Zenkai, sur également Végéto. En tout cas, franchement, oui, le Végéto, je le redis, il est vraiment très très bon. Et dans cette team, avec le Goku Blue, Vegeta Blue, ça fait vraiment très mal. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!